Comptabilisé dans le temps. C'est que t'étais pas dans les 100 premiers. C'est ça. Bah, te rappelle-toi, c'est quand on l'avait fait avec Rasta et toi et Sophia. Tu sais, pour c'était une 16, mais on avait galéré avec les putains d'actifs sur les trash là, laisse tomber. T'es mort au moins 40 fois. C'est probable. Bon, on n'est pas en tyrannique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trash sur l'instance, mais honnêtement, ça va aller. Crash, c'est ça qu'on va. De toute façon, faut que je fasse plus 15 avec tout le monde. Là, j'ai déjà fait une plus 15 avec Andra, mais du coup, ils ont voulu enchaîner sur la 17, donc je suis parti sur la 17. Ah, bah, 930 avec le pal. Mais quand est-ce que les gens comprendront que la zone de heal, elle sert à heal ? Parfait. Ce qui fait plaisir, c'est de voir les essences monter là, c'est cool, 120 là. Je regarde même pas. Sur deux persos, j'ai acheté des légendaires, j'ai eu deux trucs pourris. Comme quoi. Ouais, mais bon. Bon, ça aide bien, franchement. Plus à heal sur cette plus 17. Il fait pas les crocos sur le côté. Ok. J'ai l'impression que j'ai pas un tank foufou moi perso. Hein. Ah, ça craint par contre pour des clés comme ça. Non, c'est pas ça. De toute façon, c'est pas ça. C'est que à mon avis, il connaît pas bien l'instance. Il a pas pris les crocos. Alors j'ai peur de ce qu'il veut faire en AD en plus. J'ai même pas la foi de DPS en fait. Il prend des belles tatanes de l'espace. Ça comme temps qu'un war. Ouais. Jack l'œil plus 15, on l'a fait qu'en deux chests, alors un peu peur. Oh bon bah j'ai eu sur les 4 caches. On est un potable de but, tiens. C'est quand tu fais des petites clés que t'as des gros proc, tu sais. Moi, ça me fait tout le temps ça. Non, j'ai fait une 19 sur 985 en proc. Bah, moi, je fais des plus 7 et j'ai des 950. C'est cool. Là oui, en effet, il est important de ne pas pull le boss. Sinon, on va lui donner des stacks. C'est pas une bonne idée. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez-vous.
va remonter tout le monde. Voilà, ok. Hop là, je veux pas de toi, les gars. Merci. Mais c'est les vendeurs ni plus à cette humanité. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Tu vois un temps, pourquoi faire. Qui est resté devant les cristaux qui s'est fait one shot. J'adore. Ah, ça, ça fait mal là. Ça fait mal. Hey, salut, Big Bro. How are you? Are you fine? All is good? Après celle-là, on fait ta caraba alors. Ok. Ça me va. Très bien. Bah écoute, ça va nickel. Au taquet, chez au taquet. Et toi, comment tu vas? Ouais. Toi bien. Toi petit déjeuner. Est-ce que Guigili, lui, l'a petit déjeuner? Ouais. Un guiligili t'as petit déjeuner toi. Ouais. Oh le lèche pourri. Qu'est-ce que t'as mangé au petit déjeuner mon petit guili? Des déjeuners salés, des œufs, du jambon, des pancakes. Ah, ah. Protéines tout ça. À fond. Ça fait du bien. Ça cale bien l'estomac surtout pour la matinée. Bon, bah le légendaire qui est encore sur le noir, j'aurais fait bientôt le tour. J'ai pas vu un seul perso au niveau des lèches où j'ai pas dû faire tout le tour pour avoir les deux. Donc voilà, ça c'est pas clair. Alors j'espère qu'après ils vont bien focus les sculpteurs parce que les sculpteurs ils font bien bien mal. Ah ouais d'accord, donc son truc en fait c'est de prendre ceux qui sont à droite. Donc en fait il va prendre des trucs qui sont super chiants et qui font super mal, alors qu'il y en a qui font pas mal et qui vont bien. Ouais bah forcément hein, c'est bien. GG hololot. GG. Ouais forcément, je peux rien faire pour toi. Hop là, on va se casser. Hop. Fufu. Non. Tu termines, moi je vais aller surveiller les gâteaux dans le four, je crois. Ah non! Je suis resté en vie. Ce serait toujours vivant. It's a miracle. I'm still alive. Non, mais faut quand même pas déconner. Déjà, s'ils arrêtaient de prendre toutes les instances en même temps, c'est un mieux, hein. Ah bah ça reste quelqu'un, tranquille, peinard, no suicide. Au fait l'ail. Yep. Et hop. Des fois j'ai l'impression que la zone de Hume c'est pour les chiens. Allez,
Focus le sculpteur, les chatons, sinon on est dans la merde. Hop, petit vortex. Petit bump, voilà, paf, tiens, dans ta gueule. Prends-toi ça dans ta gueule, prends-toi ça dans ta gueule. Aïe. Aïe. Ça fait bobo. Ça fait bobo. Aïe, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Ça fait bobo, ça fait bobo, ça fait bobo. Ah ouais. Putain, ils ont pas fait plus le. Tu m'étonnes qu'il y a des dégâts de ouf à soigner, hein. Ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Hop, on va mettre une petite tête de mort parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien compris le principe. Alors là, il vient de se faire one shot, notre ami. Et là, je dis merci, Pilate. Hop, du def. Hop, hop. Aïe, oui. C'était la grenouille. Ah, c'est beau. Ah. Hop, hop. Hop, on va manger un peu, hein. Là, il faut manger, hein. Ah bah oui, mais forcément, je suis en train de régénérer mon chaton. Alors si tu fais de la merde, tu crèves. Hop là. Hop là. Je l'ai toujours dit, je suis druide, pas magicien. Je ne peux pas faire de miracle. Hein. Je ne soigne pas le one shot. Même si j'essaie de faire en sorte qu'il y, a, y arrive. Hein, mais... Hop, hop. On met tout le monde en mode. On se met une leg nouille. Hop, paf. Ah bah là, moi je peux rien pour toi, mon chaton. Ah, rien du tout. Déjà pas mal de morts. De quoi? T'as déjà pas mal de morts. Ah non, mais les mecs font juste pas attention, claquent pas de CD. Et puis c'est pas que là ça pardonne pas. Avec un tank 930, bah ça dépend de tes stats, mon petit big bro. Parce que c'est pas qu'une question du level. Et non, une question de stats. Ça dépend du temps quoi. De toute façon, avec les affixes de cette semaine, le tank c'est. C'est pas primordial, on dira. Juste qu'il arrive à maintenir un minimum d'aggro. Puis ça va dépendre de l'instance aussi.
Après, avec mon DH en 935, je tankais du plus 15, donc j'aurais tendance à dire que logiquement, ça doit être possible. Oh, puis la connaissance du donjon, il joue vachement aussi hein, quand t'es habitué à le faire avec un tank. J'avoue, quand tu sais ce que tu dois faire, ça va mieux. C'est beaucoup plus simple. Allez, s'ils viennent tous dans la petite zone, ils sont sauvés. S'ils viennent pas dans la petite zone, ils vont crever. Ce boss il y a vraiment beaucoup de dégâts uniquement pendant la phase de mise en place, donc ça va bien. Hop là. Le bug, il n'y avait qu'une seule main sur les quatre. C'est pas vu s'ils ont résolu les bugs qui avaient. Bah, ils ont refait une maintenance ce matin. Normalement, ça devrait être bien. Je te dirai. Est-ce ça quand c'est un caveau. Eh, tu m'étonnes. Ce sera surprise. Là, on va anticiper les dégâts en faisant du pré-hot. Ah, ça risque de pas aider. Après, en pala, si tu gères bien tes CD, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Hein. Après, vraiment pas claquer ton bouclier n'importe comment. Puis après ça va dépendre du DPS de ton groupe aussi, hein, c'est toujours la même chose. Moi je sors le pala juste après. Ça marche Big Bro Wow. Je le noterai dans ta petite fiche après. Oula, pourquoi il fait ce pack là? Il est fou lui, il est fou. Il est fou Flelou. Mec, le tank là, il a choisi de se compliquer la vie. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir sur ton stream là, il prend les pas bien relou. Ah, il avait pas fait les trucs avant. Et surtout les pas ou les DPS, ils vont se faire défoncer. Ça, c'est sans compter un heal de folie. Regarde ça, personne ne meurt. La personne est mort des éboulements. Ouais, plus 12 Kara, ça va. Mais Karo est pas dur hein, comme instant. Les gens ont peur du dernier boss et du premier, c'est tout, mais c'est parce que juste ils gèrent mal le boss, c'est tout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va rechercher Krog en plus. Oh là 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 là. Mon Dieu. Donc, bien la vie. Il aurait pu aller chercher au pire les adds juste après les derniers boss. Non mais s'il avait fait avant, il faisait juste les crocos, ça suffit, tu vois, il n'a pas besoin d'avoir non plus. Le clean. Ça c'est comme le fait de couler, alors que j'ai même pas eu le temps de poser mon cul et que j'ai juste dû bouffer une potion pour ne serait-ce qu'essayer de les maintenir en vie, tu vois.
Parce que le pack d'avant, il y a un peu manavore, tu vois. Un peu, hein. C'est clairement un tank qui a pas l'habitude. Ou alors l'habitude de faire map. Déjà, le groupe s'en détourne cette semaine, ça craint un peu. Là, c'est utile, hein, clairement. Bah, le fait d'avoir quand t'as un chasseur ou un rock qui sait jouer, oui, c'est que ça supprime carrément un affixe, quoi. Donc, j'avais su, j'avais complètement zappé le détourne du rock. La ficelle du métier. Ouais, ça te supprime complètement un affixe en fait. Donc, autant te dire que ça simplifie grandement les choses. Putain. Bah, surtout, t'as les deux dans ton groupe, même pendant les temps où les temps de CD il est. Des pop, c'est bien quoi, t'as un détente sur chaque pack. Tu rajoutes à ça le fait que sur mon tank, j'ai quand même un peu de DPS. Tu m'étonnes, ça y joue beaucoup. J'ai l'impression quand même que par rapport au début, les tanks perdent beaucoup moins l'aggro sur ce genre d'hotfix. D'hotfix, pardon. Ça dépend des DPS en face. Ouais, ouais. Et ça dépend si t'as de la détourne ou pas. Après, je dirais quand t'as une compo où t'as pas de cac aussi, c'est bien quoi, parce que pour le coup, t'évite que les machins ils prennent des tartelettes. Oui, non. Tu vois là par exemple, un gros full cac avec un rogue, moi perso, je kifferais. Hein. Surtout en. Avec un rogue, mais un pal ou un war, tu vois, un war déjà qui prend extrêmement cher déjà de base. Mais... Mec, il voulait prendre tout le pack d'un coup là. Enfin, les deux packs, tu sais. Il est chaud, bien. Mais surtout avec chaud. Le bolstering, quoi. Qui sont c'est pas la peine. Il va mettre un boss juste avant, quoi. Surtout ce pack là, hein, généralement. Je sais pas pourquoi ils sont revenus sur l'alarme, j'avais géré pour pas qu'elle se transforme. Vraiment. Lol. La prompte qui a remis le mec full life quoi. Paf, tiens, dans ta gueule là. Bon là ça va être tendu du string. Hop. De chest il va être compliqué là quand même. Bon, le de chest il est pas possible déjà. Mec, il a réagi 3 heures après pour le reste, quoi. C'est quand même pas mal.
fait, les mecs ils prennent pas tant de dégâts que ça, hein. C'est juste que quand ils prennent du dégât, c'est du dégât QoS quoi, c'est tout. Parce que quand tu regardes, tu as 620 HP, ça peut monter bien plus haut que ça. Mais là, c'est vrai, mais c'est pas hilarant les dégâts qu'ils prennent. Non, il y a des moments, ça ne l'est pas. C'est strictement rien. Quoi. Le mec il est pas dans la zone de heal donc déjà de base c'est pas rien pour lui moi. Salut Sony, comment ça va? Tout va bien de bon matin. Bon, écoute, impec. Tranquille, tranquille. Cependant, sachez ceci. Vos actes m'ont rempli de joie. Et je suis certain que vous ne faillirez pas. Si je veux il en forme de chat, ça va être compliqué. Ça risque d'être dur. À un moment donné, s'il me laisse pas régénérer, rare des problèmes techniques quand même. Alors, pour ceux qui s'intéressent juste après cette instance, on va aller faire un plus 15 et carapa. On aura besoin de heal et de DPS. Food. Je vois que ça écrit food. Eh ben moi qui écrit food. Ah super, ouais. Un truc qui est trop loin pour il. J'espère que le temps me connaît. Pire, il fera des vols planés. Ouais. Il chargera derrière. Enfin, quand t'es war, c'est pratique. Il charge. Vague de mana dans 7 secondes. Connais. Bah, il a su claquer un CD. Thank you.
avec de magma. Les pics sont perpètes. Attention. Et ben voilà. Ouh, plus 17 one chest, au taquet, au taquet.